dinero. Poco a poco. Poco a poco. Media vuelta. Puente entera. Nuria Buteyda es portavoz del partido Los Indígenas de la República, que es un movimiento decolonial en Francia, y es autora de un libro que se llama Los Blancos, los Judíos y Nosotros, hacia una política del amor revolucionario, que es una obra que salió el año pasado, hace dos años en Francia, y que creó una gran controversia y una gran polémica, ¿no? Entonces, bueno, sin más, los dejo con Uria. Bonjour à tous, je vais parler en français. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, voy a hablar en francés. Je voudrais d'abord dire mon honneur d'être invité ici dans le pays de la révolution bolivarienne. Primero que todo, quería expresarles el honor que es para mí estar aquí en Venezuela, en el país de la revolución bolivariana. Je voudrais également remercier les organisateurs de cette conférence, comme je voudrais remercier mon frère de lutte, Ramon Grosswegel, sans qui ce genre de manifestation n'aurait pas lieu. Bueno, quisiera primero que todo agradecer a los organizadores de este evento, pero quisiera también agradecerle a mi hermano de lucha, Ramón Grosswegel, sin el cual este evento no estaría, no se daría, y yo no estaría aquí hoy. En effet, grâce à lui, ce genre de manifestation a lieu ici au Venezuela, au Brésil, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Gracias a él, este tipo de escuelas, de manifestaciones se puede dar aquí en Brasil, en España, en el País Vasco, en el país, no, Pays-Bas, Néerlande. No, en Holanda, ¿no? Holanda. En Holanda. Y en África del Sur. Y bueno, es alguien extraordinario. Entonces es realmente una persona extraordinaria. Y yo remercie a vous tous d'être là pour m'écouter. Y les agradezco a todos estar aquí esta tarde para escucharme. Alors, le titre exact de mon intervention, c'est L'amour révolutionnaire en France, est-il possible? El título exacto de mi ponencia es El amor revolucionario en Francia. ¿Será posible? Et je voudrais commencer par dire que l'idée de l'amour est quasiment absente du vocabulaire politique français. Me gustaría comenzar diciendo que la idea de amor está casi ausente del vocabulario político francés. En effet, la droite défend l'ordre, la morale et le libéralisme. En efecto, la derecha defienden el orden, la moral y el liberalismo. La gauche parlementaire défend les principes républicains, le vivre ensemble et la laïcité. La izquierda parlamentaria defiende los principios republicanos, el vivir junto y la laïcité. Quant à la gauche radicale, elle défend les droits et la justice sociale d'un point de vue très économiste. En cuanto a la izquierda radical, defiende los derechos y la justicia social desde un punto de vista muy económico. Dans ce que nous appelons en tant qu'indigènes de la République le champ politique blanc, il n'y a aucune place pour la spiritualité ou les affects. En lo que nosotros, los indígenas de la República, llamamos el campo político blanco, no hay lugar para la espiritualidad o para los afectos. Aucune place pour le sentiment de dignité et encore moins pour l'amour. No hay lugar para el sentimiento de dignidad y menos aún para el amor. Il me paraît donc urgent de remettre ces notions et de dignité et d'amour dans notre grammaire politique. Sin embargo, me parece urgente volver a poner a restablecer esas nociones de dignidad y de amor en nuestra gramática política. Et comme le disait Hugo Chavez, qui a affronté les forces politiques les plus puissamment hostiles. Y como lo decía Hugo Chávez, quien se ha enfrentado a las fuerzas políticas las más hostiles. Il y a une force tellement puissante, aussi puissante que la conscience, c'est celle de l'amour.
Hay una fuerza tan poderosa como la conciencia y esa es el amor. Dans mon livre, Les Blancs, les Juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire, sorti effectivement en mars 2016, j'écris la chose suivante. En mi libro, Los Blancos, los Judíos y nosotros, hace una política del amor revolucionario que fue publicado en marzo del 2016, escribo lo siguiente. De la beauté, de la poésie et de la spiritualité, c'est ce qui manque le plus cruellement à nos sociétés modernes et sèches. De la belleza, la poesía, la espiritualidad, es eso de lo que carecen cruelmente nuestras sociedades modernas y secas. Les blancs savent bien que leur société est sèche. Los blancos saben bien que su sociedad está seca. Ils se savent égoïstes et individualistes. Se saben egoístas e individualistas. Et ils en souffrent. Y sufren. Mais ils manquent d'imagination pour penser d'autres horizons. Pero carecen de imaginación para pensar otros horizontes. Parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Porque ya no tienen memoria. Ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité. Han olvidado lo que eran antes de haber sido devorados por la modernidad. Ils ne se souviennent plus du temps où ils étaient solidaires. Ya no se acuerdan del tiempo en el que eran solidarios. Et où ils avaient encore des cultures, des chants, des langues régionales, des traditions. Y tenían aún culturas, cantos, lenguas regionales, tradiciones. Je ferme les guillemets. Cierra las comillas. Le champ politique blanc est à l'image de ce que sont les Français, citoyens de pays riches. El campo político blanco es imagen reflejo de los que los franceses son. Ciudadanos de países ricos. Mais désorientés par le désordre du monde. Pero desorientados por el desorden del mundo. Dont ils se sentent innocents. Del que se sienten inocentes. Et dont ils accusent les autres. Y del que acusan a los demás. Les musulmans. Los musulmanes. Les iraniens. Los iraníes. Les irakiens. Los iraquíes. Les islamistes. Los islamistas. Et ils en accusent même Hugo Chavez. Et hasta acusan Hugo Chavez. Tout comme les Français sont à l'image du champ politique blanc. Así como los franceses son imagen reflejo del campo político blanco. Vide de tout horizon politique utopique. Vacío de cualquier horizonte utópico. Il se trouve, et je le dis avec beaucoup de conviction. Cabe destacar y lo digo con mucha convicción. Les Français ont une chance historique. Los franceses tienen una oportunidad histórica. Ils ont en leur sein, comme concitoyens, des populations qui ont encore une spiritualité. Cuentan con poblaciones en sus senos, con conciudadanos que aún tienen una espiritualidad. Une spiritualité qui a résisté à la modernité occidentale. Una espiritualidad que resistió a la modernidad occidental. Une spiritualité qui a survécu au rouleau compresseur de la sécularisation. Una espiritualidad que sobrevivió a la aplanadora de la secularización. Dont les Français sont très fiers. De la cual los franceses están muy orgullosos. Ces populations viennent de l'histoire coloniale. Estas poblaciones provienen de la historia colonial. Et de l'histoire de la traite négrière. Y de la historia del comercio de esclavos. Ce sont les descendants d'Africains. Son los descendientes de africanos. De maghrébins et d'antillais. De magrebinos y de antilleses. Certains sont chrétiens, d'autres musulmans ou encore animistes. Algunos son cristianos, otros musulmanes o animistas. Ce sont ce que nous appelons les indigènes de la République. Son lo que nosotros llamamos los indígenas de la República. Alors une petite explication, les indigènes de la République n'a pas le sens d'autochtones, mais il a le sens de sujet postcolonial. Bueno, una pequeña explicación, indígena de la República no tiene el sentido de autóctono o de pueblo originario. Ce sont des sujets postcoloniaux. Tiene el sentido de sujetos postcoloniales. Ce sont les sujets racialisés de France. Los sujetos racializados de Francia. Trop noirs, trop basanés, trop musulmans pour être blancs. Demasiado negros, demasiado morenos, demasiados musulmanes para ser blancos.
ce sont les sujets coloniaux de la Grande République française. Son los sujetos coloniales de la Gran República Francesa. Qui a promu les droits de l'homme dans tous les pays du monde. Que ha promovido los derechos humanos en todos los países del mundo. Ses lumières. Sus luces. Et son universalisme blanc et eurocentrique. Y su universalismo blanco y eurocéntrico. Nous sommes donc, en tant qu'indigènes de la République, les enfants illégitimes de la France. Somos, como indígenas de la República, los hijos ilegítimos de la República Francesa. Et j'en fais partie. Y yo soy parte de eso. Et c'est à ce titre que je m'adresse à vous aujourd'hui. Y es en cuanto tal que me dirijo a ustedes hoy. L'histoire coloniale nous a convaincus de notre infériorité. La historia colonial nos convenció de nuestra inferioridad. L'histoire coloniale nous a convaincus que nous n'étions pas à la hauteur de l'histoire et du progrès. La historia colonial nos convenció que no estábamos a la altura de la historia y del progreso. Souvenez-vous des propos de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Recuerden las palabras del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré à Dakar, quien declaró en Dakar, que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Que los africanos no habían entrado lo suficientemente aún en la historia. Oubliant de préciser que c'est l'histoire officielle française qui les en a fait sortir. Olvidando especificar que es la historia oficial francesa que los hizo salir de esa historia. Bref, nous avons appris le désamour de nous-mêmes. En resumen, aprendimos el desamor de nosotros mismos. Et s'il existe un héritage concret et tangible du colonialisme que Frantz Fanon a très bien décrit dans Peau noire, masque blanc, y si existe una herencia concreta y tangible del colonialismo que Frantz Fanon describió muy bien en su libro Piel negra, máscara blanca, c'est la haine de soi. Es el odio a sí mismo. Dont le pendant est l'amour et la fascination pour les blancs. Cuya contrapartida es el amor y la fascinación por los blancos. Certes, il y a eu les indépendances africaines. Ciertamente tuvimos las independencias africanas. Et des défaites cinglantes pour les colonialistes. Y fuertes derrotas para los colonialistas. La grande victoire de Dien Bien Phu, la gran victoria de Dien Bien Phu, et la victoire du peuple algérien dont je suis originaire. Y la victoria del pueblo argelino del cual soy originaria. Mais la révolution, comme vous le savez bien au Venezuela, contient la contre-révolution, c'est ce que disait tout à l'heure ma sœur Karina Ochoa. Pero la revolución, como bien lo saben en Venezuela, contiene la contrarrevolución. Es lo que decía mi hermana Karina Ochoa esta mañana. Ce qui signifie que nous n'avons pas achevé le processus de décolonisation. Lo que significa que no hemos acabado con o completado el proceso de descolonización. Nous ne sommes pas libérés. No nos hemos liberados. Il faut donc poursuivre la révolution décoloniale. Por eso debemos continuar con la revolución decolonial. Je propose l'hypothèse suivante. Propongo la siguiente hipótesis. Il n'y a aucune possibilité d'entamer un processus révolutionnaire si nous sommes aliénés par la modernité. No hay posibilidad alguna de iniciar un proceso revolucionario si somos alienados por la modernidad. Ainsi, le premier acte de libération consiste pour celles et ceux qui ont appris la haine de soi, de sa peau, de la forme de son nez ou de ses cheveux, de sa langue, de ses croyances, de ses ancêtres, d'apprendre l'amour de soi. Entonces, el primer acto de liberación para aquellos que han aprendido el odio a sí mismo, de su piel, de la forma de su nariz o de su pelo, de su idioma, de sus creencias, de sus antepasados, es aprender el amor de sí mismo. Y d'une certaine manière, de sa race. Y de alguna manera, también de su raza. Sa race d'opprimé. De su raza de oprimido. C'est pourquoi, dans un autre chapitre de mon livre, je dis. Es por eso que en otro capítulo de mi libro, digo. Mon corps ne m'appartient pas. Mi cuerpo no me pertenece.
J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. Yo pertenezco a mi familia, a mi clan, a mi barrio, a mi raza, a Algeria, a l'islam. J'appartiens à mon histoire et si Dieu veut, j'appartiendrai à ma descendance. Yo pertenezco a mi historia y si Dios quiere, le perteneceré a mi dependencia, a mi descendencia. Je ferme les guillemets. Cierro las comillas. Cette phrase a été vécue comme une véritable provocation en France. Esta frase es vivida como una verdadera provocación en Francia. Et même comme une insulte au féminisme blanc. E incluso como un insulto al feminismo blanco. Dont le slogan historique est Mon corps m'appartient. Cuyo eslogan histórico es Mi cuerpo me pertenece. Or, la perspective décoloniale nous enjoint à revenir vers la communauté et à rejeter l'individu. Sin embargo, la perspectiva decolonial nos llama, nos prescribe el regresar a la comunidad y rechazar al individuo. Si j'ai fait cette déclaration, c'est que le projet impérialiste et raciste a pour projet l'éclatement des communautés. Si hice esa declaración es porque el proyecto imperialista y racista tiene como meta el estallido, la fragmentación de las comunidades. Le discours raciste français n'a jamais cessé de stigmatiser les familles africaines et maghrébines. El discurso racista francés nunca dejó de estigmatizar a las familias africanas y magrebinas. En encourageant les femmes à s'en libérer. Alentando a las mujeres a liberarse de estas. De estas familias. De estas familias, sí. Entiendo. No, sí. Postulant que l'ennemi principal des femmes non blanches sont les hommes non blancs. Postulando que el enemigo principal de las mujeres no blancas son los hombres no blancos. Or nous savons, les militantes décoloniales, faire la différence entre les masculinités hégémoniques et les masculinités non hégémoniques. Pero nosotras, las militantes descoloniales, sabemos hacer la diferencia entre las masculinidades hegemónicas y las masculinidades no hegemónicas. Nous savons également que le racisme produit des masculinités toxiques dans nos communautés. Sabemos también que el racismo produce masculinidades tóxicas en nuestras comunidades. En organisant la concurrence entre les hommes et les femmes. Organizando la competencia entre los hombres y las mujeres. La perspective décoloniale se doit de combattre cette division et de rétablir les liens et le dialogue interne. La perspectiva decolonial se debe de combatir esa división y de restablecer los lazos y el diálogo interno. Il ne s'agit pas ici d'une position naïve qui ignorerait la violence des hommes. Aquí no se trata de una postura ingenua que ignoraría la violencia de los hombres. Mais d'une démarche dialectique qui vise à tarir la source de la violence qui est la suprématie blanche. Sino de una postura dialéctica que apunta a secar la fuente de la violencia que es la supremacía blanca. Ainsi se réapproprier son destin par la réappropriation du passé. De una tal manera se trata de reapropiarse su destino reapropiándose de su pasado. Se réinscrire dans les luttes de libération anticoloniale d'hier et soutenir la cause palestinienne aujourd'hui. Reinscribirse en las luchas de liberación anticoloniales del ayer y sostener la causa palestina hoy. Réinventer sa spiritualité plutôt que de se prosterner devant le dieu capitaliste. Reinventar su propia espiritualidad más que de prosternarse delante del dios capitalista. Ce sont autant d'actes d'amour et de reconquête de soi. Todos son actos de amor y de reconquista de uno mismo. Ainsi, comme je le disais, il s'agit là de l'acte premier de la libération. Así, como lo decía, se trata aquí del acto primero, del primer acto de la liberación. L'amour de soi. El amor de sí. Mais comment faire pour que l'amour de soi ne se transforme pas en fascisme? Pero cómo hacer para que ese amor de sí no se transforme en fascismo? En effet, qu'est-ce que le fascisme si ce n'est une forme
perverse de l'amour des Blancs pour eux-mêmes, se battant pour préserver leur supériorité raciale. Effectivement. Qu'est le fascisme si ce n'est pas une forme perverse d'amour que les Blancs ont pour eux-mêmes quand ils luttent pour préserver leur supériorité raciale? Nous ne sommes pas immunisés contre le blanchiment. No estamos inmunizados contra el blanqueamiento. Et cette idée criminelle de la supériorité d'une race sur une autre, et nous ne sommes pas donc immunisés contre le blanchiment, comme nous ne sommes pas immunisés contre cette idée criminelle de la supériorité d'une race sur une autre. Entonces no estamos inmunizados contra el blanqueamiento y tampoco estamos inmunizados contra esa idea criminal de la superioridad de una raza sobre otra. Je ne connais pas assez bien le Venezuela. No conozco suficientemente Venezuela. Mais êtes-vous sûr, vous, Vénézuéliens, peuple métissé, pas complètement noir, pas complètement blanc, peuple révolutionnaire, d'être immunisé contre le racisme et contre la blanchité? Pero están seguros ustedes, venezolanos, pueblo mestizo, ni totalmente negro ni totalmente blanco, pueblo revolucionario. ¿Están seguros de estar inmunizados contra el racismo y contra la blanquitud? ¿Cuál es el rapport entre el corps légitime de la nación y los indígenas o los moins blancs que los otros? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo legítimo de la nación y los indígenas o los menos blancos que los otros? Por mi parte, parce que je ne me crois pas immunisé contre le racisme structurel de l'État-nation français, porque no me creo inmunizada contra el racismo estructural del Estado-nación francés. Je sais qu'il y a un combat contre moi-même à mener. Sé que tengo que llevar a cabo un combate contra mí misma. D'où cette question que posait le grand écrivain noir américain James Baldwin. De ahí la pregunta planteada por el gran escritor negro americano norteamericano James Baldwin. Qu'adviendra-t-il de notre beauté? ¿Qué ocurrirá con nuestra belleza? C'est une question qu'il s'est posée en observant la dégradation morale des Noirs américains. Es una pregunta que se planteó al observar la degradación moral de los negros norteamericanos. Dans un contexte de forte ségrégation raciale. En un contexto de fuerte segregación racial. C'est la question qu'il s'est posée lorsqu'il a vu ce sentiment de haine qu'ont les Blancs envers les Noirs. Naître chez les Noirs contre les Blancs. Es la pregunta que él se hizo cuando vio que ese sentimiento de odio que los blancos tienen hacia los negros, cuando lo vio nacer en negros contra blancos. Ce sentiment, s'il est parfaitement compréhensible, est le signe, pour moi, d'une corruption mentale. Este sentimiento, si bien es perfectamente comprensible, es para mí el signo d'une corruption mentale. Résister à ce sentiment, c'est résister à son propre blanchiment. Résister à este sentimiento es resistir a su propio blanqueamiento. Et résister à son blanchiment, c'est une victoire contre le racisme. Y resistir a su blanqueamiento es una victoria contra el racismo. Car contrairement à l'idéologie suprémaciste, porque contrariamente a la ideología supremacista, nous savons que la blanchité n'est pas génétique. Sabemos que la blanquitud no es genética. Quel est le produit de l'histoire? Que ella es el producto de la historia. Et qu'elle est surtout un rapport social de domination. Y que ella es ante todo una relación social de dominación. Nous savons que la haine des Blancs est une haine ridicule et inconséquente et qu'elle ne résoudra aucun problème. Sabemos que el odio de los blancos es un odio ridículo, inconsecuente y que no resolverá ningún problema. Et s'il faut d'abord s'aimer soi-même pour entamer la lutte décoloniale? Y si primero hay que amarse a uno mismo para poder empezar la lucha descolonial? Il faut aussi s'imposer quelque chose de très difficile. También hay que imponerse algo muy difícil. L'amour des Blancs. El amor por los blancos. Mais comme vous pouvez vous en douter, l'amour dont je parle est un amour exigeant. Pero como pueden imaginarlo, el amor del que les estoy hablando es un amor exigente. Et d'une grande hauteur philosophique.
de una gran altura filosófica et spirituelle. Y espiritual. Si je me dois d'aimer les blancs, si tengo que amar a los blancos, c'est pour ne jamais ressembler à mon ennemi. Es para no parecerme nunca a mi enemigo. Ne jamais tomber dans le piège fasciste ou proto-fasciste. Para no caer nunca en la trampa fascista o proto-fascista. C'est-à-dire donner une chance à l'humanité. Es decir, se trata de darle a la humanidad una oportunidad. À la fraternité. À la fraternidad. Non pas en menant un combat contre d'autres humains, pero no luchando contra otros humanos, mais contre un système que nous appelons ici la modernité occidentale. Sino contra un sistema que llamamos aquí la modernidad occidental. Ce combat sera politique ou ne sera pas. Ese combate será político o no será. Ce combat sera porté par l'amour ou ne sera pas. Ese combate será llevado por el amor o no será. Ce combat sera révolutionnaire ou ne sera pas. Ese combate será revolucionario o no será. Ce combat sera une politique de l'amour révolutionnaire. Ese combate será una política del amor revolucionario. Y gracias.